La force de marée d'un homme. 8. Être libre signifie avoir du pouvoir. Ted Kaczynski. Et Dieu sait que j'en ai vu depuis. J'ai vu des milliers de vidéos. Des gars lynchés, découpés, brûlés vifs. J'ai vu la lâcheté, la cruauté, la monstruosité de l'homme. J'ai vu les égorgeurs salafistes à l'œuvre. Un couteau de boucher qui perce un œsophage, tranche d'un coup la trachée et la thyroïde. Un flot de sang jaillit des jugulaires. La lame mal aiguisée s'acharne entre les vertèbres pour séparer la tête blafarde d'un corps spasmodique. Pendant que les bourreaux hurlent pour se donner raison. Je me suis documenté sur les tueurs en série, sur les tueries scolaires, en particulier aux États-Unis. En quelques minutes, des asociaux boutonneux rejetés par tous leurs lycées deviennent d'éternels surhommes. Leur minable destin explose aux yeux du monde entier. Des millions de personnes les connaissent. Certains se mettent à les admirer, inespérés pour ces moins que rien. Et encore, ils sont nihilistes jusqu'au bout du canon. Ils ne profitent pas du pouvoir parce qu'ils se suicident. Dans 90% des cas, à la fin de leur tuerie, ils ont peur de ne pas supporter l'ivresse de la puissance. Ils savent qu'ils n'ont pas les épaules. Ce sont des minables et ils ont la cohérence de l'être jusqu'au bout. Ils n'existent pas dans la vie. Ils existeront dans la mort. En général, ces déchets de la société ne passent pas à l'acte. Ils sont bien trop arriérés pour se rendre compte qu'il leur suffirait d'une arme pour devenir quelqu'un. Regardez comme les héros sont mythifiés. Comme on leur prête des pouvoirs quasi surnaturels. C'est ce qu'on admire dès l'enfance. La princesse a le pouvoir de la beauté. Le prince a le pouvoir du sang. Le chevalier a le pouvoir de l'épée. Le mage a des pouvoirs. Le roi est le pouvoir. Les super-héros ont des super-pouvoirs. Tout l'homme est une lutte de pouvoir. Par le statut, la possession, l'autorité, la domination et la séduction. Toute relation sociale est soumission ou domination. Les désordres mentaux, hypochondrie, phobie, paranoïa, troubles obsessionnels, troubles alimentaires sont liés au pouvoir. Ils évoquent soit la peur de le perdre, soit l'obsession de le conquérir, de tout contrôler. Peur, sadisme et humiliation sont liés au pouvoir. Tout est lié au pouvoir. Ma force de marée est capable d'arracher aux autres des parcelles de pensée, d'avaler leur identité, de disloquer leur âme, de happer leur existence. L'homme de pouvoir impressionne et fascine. Quand une foule entière attend des heures pour venir se masser face à lui, c'est bien de force de marée dont il s'agit. Hier, inconnu hier, tous les regards sont aujourd'hui sur moi. Tous les gens me voient et se disent « alors c'est lui ». Ils me craignent, me respectent, m'admirent, même les journalistes. Tous ces gens qui ne savent rien, dont le métier est d'empiler leur baratin en colonne pour mieux en remplir le cerveau des lecteurs. Tous ces gens qui parlent de moi ne savent pas que le génome nordique va disparaître. Ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils n'ont jamais entendu parler de rat-taupe nu.
Ils ne savent pas ce qu'ils écrivent, ni ce qu'ils pensent. Ils ne comprennent rien à la vie. Ils s'efforcent de maintenir leurs contemporains dans l'ignorance pour les manipuler à leur guise. Aujourd'hui, c'est moi le maître du jeu. Se serait-il un jour intéressé à quelqu'un comme moi? J'ai capté la lumière. Je rayonne dans les médias. Au procès, certains essaient de s'accrocher à moi, à ma puissance. « Vous aurez ma mort sur la conscience », m'a dit la mère d'une victime. « Comme si ta mort suffisait à te donner de l'importance. Assez d'importance pour ne pas traverser ma conscience. Comme le neutrino vivant que tu es. Seule ta vie me pèse. Et ta mort me soulagera. » Voilà ce que j'aurais dû lui répondre. J'ai préféré l'ignorer. La pire des choses, c'est l'indifférence. Les neutrinos le savent. C'est pour ça qu'ils se regroupent en masse, pour exposer leur vide, en espérant se conglomérer un semblant d'influence sur ce monde qui les dépasse. Sur Utoya, j'étais Dieu, le plénipotentiaire de l'ordre. Je pouvais décider de tuer celle-ci, d'épargner celui-là. Tous ensemble, ils ne sont rien contre moi, si bien que certains d'entre eux continueront leur vie comme si rien ne s'était passé. Mais les vrais gens, eux, ont du poids. Ils ne suivent pas le troupeau, ils réfléchissent, ils s'intéressent à moi. C'est le cancéreux qui se félicite de bien traiter ses métastases. J'aurai une cellule 4 étoiles. Je n'ai pas peur d'y aller. Ça non, je suis né dans une prison et j'ai passé ma vie dans une prison. Elle s'appelle la Norvège. Quelle différence entre l'intérieur et l'extérieur? Dehors, j'étais prisonnier du bruit, des autres, du temps, du travail, de l'argent, des modes. Ici, je serai seul, au calme, avec de quoi écrire. Bibliothèque, ordinateur, espace vert, salle de sport, douche individuelle. J'aurai de l'argent tous les jours pour m'offrir des friandises. C'est un espace loisir et détente, aux frais de la princesse, à l'abri du monde. Je crois qu'on est libre qu'en prison, plus obligé de faire semblant, de se soumettre au jeu social, plus à se soucier de rien, ça paye bien de massacrer. Ces idiots sont fiers de leur système, et une fois leur logique des droits enclenchée, ils ne peuvent jamais revenir en arrière. C'est ça le progressisme, ça avance toujours plus vite, toujours dans le même sens. Bientôt, on allouera aux pensionnaires un budget pour aller à la plage, au casino ou aux putes. La première caractéristique de Breivik est son obsession par le pouvoir. La volonté de puissance des êtres humains se répartit sur une courbe en cloche. La plupart des gens ont une volonté de puissance résolument moyenne. Un ménage, une maison, une situation, ça suffit. C'est la norme. Certains se contentent de beaucoup moins et n'ont aucune volonté de puissance. Celle de Breivik se situe à l'autre extrémité de la courbe en cloche. Elle est insatiable. Pour Breivik, tout choix de vie d'un passe-temps a une orientation politique, résulte d'un calcul égoïste motivé par la volonté de puissance. Il croit que les gens sont travaillistes parce qu'ils imaginent faire une belle carrière et briller en société, ce qui leur permettra d'accéder au but final de tout mal, à savoir, je cite, « niquer un maximum de gonzesses ». C'est une évidence. Baiser plus et baiser mieux. Voilà le but du pouvoir. Le seul but de toute cette comédie, c'est celui de tout être vivant. Durer, transmettre la flamme de la vie à nos descendants. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on existe. La vie se réplique, faire des copies d'elle-même. Les meilleures copies se répandent et gagnent. Les marxistes sont ce qu'ils sont par utilité pour le pouvoir, donc pour se farcir un maximum de femelles.
Il y en avait beaucoup sur Utoya, et pas les plus moches. Tant que les marxistes se taperont les plus belles femmes du pays, il n'y a aucune raison pour qu'ils changent de crèmerie. Pour tuer le marxisme, il faut faire basculer le pouvoir, donc attirer les femelles dans notre camp. Elles vont là où le pouvoir est, et les hommes le suivent. Les nationalistes n'excitent personne, parce qu'ils s'écrasent, se lamentent et concèdent. Si un nationaliste conquiert le pouvoir, elles viendront à lui. C'est ce que j'ai fait. Mon acte a supplanté tous les beaux discours. Jusque-là, le seul moyen pour les hommes modernes d'avoir un peu de pouvoir consistait à devenir les bons petits toutous de leurs femelles, de leur société, du tiers-monde. Les femelles en reviendront vite. Elles voudront des mâles, des vrais, et comprendront un jour que les toutous que la publicité leur vend sont au fond le contraire de ce qu'elles désirent. D'où leur infini désarroi névrotique. Le reproducteur idéal, c'est moi. J'ai la force de marée que n'auront jamais les petits moralistes boutonneux. Fjordman, c'est qui maintenant ? Un guignol de seconde zone qui, en perdant son anonymat, a perdu son intérêt. Avant de périr grillé, les moucherons croient supporter la lumière du lampadaire. À ce qu'il paraît, l'autre jour, un homme s'est immolé devant le tribunal. Beaucoup de gens ne comprennent pas que leur seule chance est l'anonymat. Moi, je peux avoir les filles que je veux. Il y en a une qui est venue me soutenir publiquement au procès, avant d'être interpellée. Et il y en aura d'autres, des centaines, peut-être des milliers de femmes qui seront prêtes à m'épouser. Le pouvoir est la clé qui ouvre toutes les femmes. Ce que l'on nomme syndrome de Stockholm n'est qu'une parcelle de cette vérité. Quel que soit le pouvoir, elles s'offriront. Le pouvoir s'acquiert par l'acte, mais c'est le désir qui nous fait avancer, qui détermine l'action. Le plaisir est dans la préparation. Je ne suis pas comme ces gosses américains fortunés, désœuvrés, sans cadre, sans imagination et sans but. Ces éjaculateurs précoces qui ne connaissent que la fugitive jouissance d'une tuerie de masse, sans rien planifier, sans la moindre cause crédible. Moi, j'ai un message élaboré, une pensée cohérente, vitale. J'avais un vrai plan minutieux. J'avais l'ambition, je ne suis pas un collégien, j'avais 32 ans, presque l'âge du Christ. Pourquoi Jésus a-t-il 2 milliards de fidèles, 2000 ans après sa mort ? Parce qu'il a le pouvoir, il a écrasé tout le monde, par la morale, par une morale si ambitieuse qu'elle s'opposait aux lois de la vie. Ses disciples ont su le magnifier. On a même fait passer sa mise à mort pour une victoire. Le pouvoir est tout. Si Dieu n'était pas tout-puissant, il ne serait pas Dieu. Pour un mortel, il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui d'ôter la vie. Nous pouvons tous ou presque la donner. Jésus avait le pouvoir de la rendre. Et c'est pour ça que personne ne peut l'égaler. Pas même moi. Pas même Hitler. Dans nos sociétés du bien, manichéennes et progressistes, il n'y a que deux manières de conquérir le pouvoir. Soit devenir un héros du bien, soit devenir un génie du mal. Au fond, le marxiste d'Utoya veut la même chose que moi. Le pouvoir. Il a beau tout vouloir égaliser en coupant la tête des uns, la bourse et les bourses des autres, en les privant d'identité, de liberté, de propriété, de fierté, les gens ne se rendent pas compte que le marxisme est d'abord et avant tout la recherche très personnelle du pouvoir de ceux qui le défendent. Je ne veux pas perdre mon temps à exposer leur hypocrisie. Mon objectif, pour ambitieux qu'ils soient,
et de vaincre les gens que leur intérêt n'est pas, et de convaincre les gens que leur intérêt n'est pas dans les jupons des marxistes. Ce n'est pas si compliqué que ça. Si on tire quelques balles sur les moutons de tête, il est vraisemblable que le gros du troupeau envisage de faire demi-tour. Le marxiste s'adapte à l'intérêt des foules. J'aurais pu m'y adapter. J'ai décidé qu'elle devait s'adapter à moi. J'ai décidé de faire quelque chose de grand, qu'on me donnerait infiniment plus de pouvoir que les marxistes, qui fascinerait les foules, qui forcerait des milliers de gens à m'admirer moi, le timide, le perdant. Ils savent désormais que leur idéologie a un coût méritant, une sérieuse étude de marché. Les Européens sont terrorisés à l'idée qu'on puisse les détester. Mais être détesté, c'est avoir du pouvoir. Parfois bien plus qu'en étant aimé. Oublier le bien et le mal pour gagner le pouvoir et tout ce qui compte. La compétition pour le bien est saturée. Elle passe uniquement par la morale. Pacifisme, marxisme, universalisme, humanisme, progressisme. Voilà la seule manière admise d'avoir du pouvoir. C'est d'un monde parfait dont je parle. Un monde de confiance et d'amour, fier de son démantèlement. Un monde égal et stérile, vierge de toute haine et de toute violence. D'où la réalité pas gentille et bannie. On y supprime les mots qui fâchent, les différences et les puissants. On y désarme les policiers. On ne punit personne. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Tout n'est qu'embrassade. C'est Utoya. Au début comme tout le monde, j'étais dans ce camp. Je cherchais à me faire une place dans la secte du bien. Mais la concurrence y est rude et je suis très ambitieux. Moi, je veux être tout en haut, très au-dessus du troupeau. Hélas, je ne suis pas doué pour être gentil. Je n'ai pas le pouvoir de ressusciter les morts. Et être bon, n'est-ce pas manquer d'ambition ? Dans le classement des célébrités, juste derrière Jésus, il y a Hitler. Belle performance pour un mortel. Placer quelqu'un d'intelligent, d'obsessionnel et de mégalomane du côté du mal, vous avez de quoi mettre à genoux la société du bien. Si l'on ne peut pas être le dieu d'une telle société, autant devenir le diable. Pour les finalités reproductives, ça ne change rien. Le plus affreux des dictateurs a autant de femmes sous la main, sinon davantage, que le plus gentil des bienfaiteurs. Ce qu'elles aiment, c'est le pouvoir, peu importe son degré de vertu. Selon mon avocat, ma plus fervente admiratrice est une travailliste militante pour les droits de l'homme, militant pour les droits des homosexuels. Ça dépasse totalement l'idéologie et la morale. Dark Vador, le Joker, ce sont les méchants. Pourtant, ce sont eux que les gosses admirent. Ce sont eux qui orientent et conditionnent les actions de tous les autres protagonistes. Ils existent malgré la morale, contre la morale, par leur force propre, par leur propre génie. Dans l'harmonieux concert de la morale dominante, il suffit de jouer d'un instrument plus fort, genre Glock 9mm, et la morale se tairait. Peu importe mes actes, le pouvoir est plus fort. C'est à moi que l'on pense, c'est de moi dont on parle. Utoya, c'est moi. Et je veux en inspirer d'autres. C'est pour ça que je réponds à tous mes courriers. Demandez à mon avocat, j'en ai reçu des milliers. Des dessins d'enfants, des conseils, des lettres d'admirateurs, beaucoup de lettres d'amour. En vérité, je n'aime personne, pas même ceux qui m'admirent. Celui qui admire est faible, il ne se maîtrise pas, mais je réponds à mes courriers, parce que les légions du mal restent à organiser. Le mal, combien de divisions ? En face de Jésus, il y avait le Sanhédrin. Il y avait Rome. Nous n'avons plus rien. Les nationalistes pourraient créer une contre-maçonnerie, un réseau de résistants, des groupes occultes, terroristes ou intellectuels, mais les individualistes que nous sommes
n'avons aucun talent pour ça. Le vrai patriote est allergique au réseau et au troupeau. Et le pouvoir légal nous pourchasserait, nous condamnerait, ferait de nous ces épouvantails. Aucune compromission. Mal nous sommes, mal nous resterons. À nous le pouvoir illégal, le devoir insurrectionnel, le côté obscur. Pas question de jouer le jeu de l'ennemi, pas question de faire de la politique, de tremper dans leur système. Il faut le frapper, lui faire mal. La maison doit vous en avertir loyalement. Il y a des risques. Mourir, être emprisonné à vie, devenir controversé, ne pas avoir le temps de transmettre son patrimoine génétique. La plupart des dictateurs, des terroristes et des tueurs ont pris ce risque. J'ai toujours eu l'intuition que je ne vivrais pas vieux. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'intérêt. Le héros doit chercher la catastrophe. Le meilleur moyen de conquérir le pouvoir, c'est de prendre un maximum de vie. Il n'y en a qu'en tuant que l'on peut peser sur le monde. Autrement, qu'en bêlant avec le troupeau. Certains refusent le choc frontal. C'est ce qu'on appelle la modestie. L'hypocrisie est la règle des gens bien élevés. J'ai préparé très hypocritement ma petite affaire et sur Utoya, j'ai enfin accepté le choc frontal. Leur peau, mes balles. En érigeant leur société du bien absolu, ils ont créé la possibilité du mal absolu. Le retour de la violence fait voler en éclats l'ordre social. Elle est la clé de tout. Et ne me dites pas que ce n'est qu'un truc de psychopathe. La violence fascine tout le monde. Cessons de nous mentir. Nous en rêvons tous. C'est le pouvoir. Aucune raison ne peut tempérer la puissance. Est-ce que les gens se rebelleront massivement un jour? Non. Ils regarderont le match à la télé. On les vole, on les méprise, on les humilie. On les insulte, eux, leur race, leur nation et leurs ancêtres. On leur fait croire qu'ils ont le pouvoir et on leur impose depuis des décennies une invasion dont ils ne veulent pas. Et nos bonnes gens n'ont même pas laissé entendre un murmure de réprobation. Ils ont les distractions, le pain, les jeux, ils ont Utoya. Rien ne peut les pousser dans la rue. Tyrannisés par le bien, ils s'efforcent de rester dans le bon cloaque, dans les ornières de la morale unique. Parce qu'en démocratie, avoir raison, c'est voter avec le nombre. Ils n'ont pas envie d'être mal vus, de perdre leurs amis, leurs femmes, leur situation. Les médias ont brisé leur fierté, leur volonté, leur identité, leurs valeurs. Comme nos enfants, nos parents portent 50% de nos gènes. La raison biologique est la seule vraie raison. On doit être prêt à tout pour les siens. Aucune morale ne devrait l'emporter sur les liens familiaux. Et pourtant, mon père m'a renié sa putain de morale, cette morale de putain, la morale de tout le monde. Ça l'a impressionné. Il a suivi. Il a renoncé à tous ses devoirs, à ses gènes, à moi. Il m'a renié. Heureusement que moi, j'ai su me montrer digne d'exister. J'ai compensé sa lâcheté. En un jour, j'ai reconquis tout ce que sa génération avait abandonné. J'ai bien fait d'agir. J'aurais pu me contenter d'écrire. Mais le succès n'est jamais garanti. Et je suis persuadé d'être moins doué pour écrire que pour tuer. Dans son manifeste, il fait souvent référence à ses modèles, les célèbres poseurs de bombes Ted Kaczynski et Timothy McVeigh, qui se sont côtoyés dans la même prison avant l'exécution du second. Tout comme Franz Fuchs, ce sont des exemples types de VTB. Breivik est comme eux, une sorte de Rambo, un homme d'un autre temps qui a voulu se créer sa petite guerre. Ted Kaczynski a été diagnostiqué schizophrène paranoïde, évaluation qu'il qualifiait de politique. Un temps, sa mère a cru qu'il était autiste, admis à Harvard à 16 ans, docteur à 20 ans, auteur de démonstrations mathématiques de très haut niveau. Kaczynski a toujours rêvé de vivre en ermite dans les bois, ce qu'il a fait pour préparer des colis piégés. Breivik a la tête de
plusieurs entreprises lui ayant rapporté des centaines de milliers d'euros, a toujours rêvé de se consacrer aux jeux vidéo, ce qu'il a fait pour préparer ses attaques. Fouche vivait reclus dans un coin de la maison de ses parents. Breivik dans une ferme. Kaczynski dans un cabanon. Les trois hommes partagent le même isolement mental et social, déterminant dans le processus meurtrier. Ils n'ont confiance en personne. Avec McVeigh, ce sont tous les quatre des gens nettement plus intelligents que la moyenne. QI de 167 pour Kaczynski, 139 pour Fouche, 135 pour Breivik et 129 pour McVeigh. Ce sont des célibataires sans antécédents, plutôt sympathiques, et rien dans leur famille ou leur passé ne permet d'expliquer leurs actes. Tous intellectualisent. Sentiments et émotions. Tous intellectualisent sentiments et émotions, n'éprouvent aucun remords. Tous ont tenté de survivre à leur crime par de longs écrits. Ça leur permet de prolonger leur pouvoir. Franz Fuchs se prend pour le chevalier d'une organisation mystique. Le Templier Breivik a parlé d'autres cellules probablement imaginaires. Lors de son procès, McVeigh, qui voulait devenir le premier héros de la Révolution américaine, a crânement plaidé la nécessité, comme Breivik. Son dernier regret fut de n'avoir pas fait s'effondrer le bâtiment fédéral qu'il visait. Sa bombe avait tué 168 personnes. Breivik, le premier héros de la Reconquête, a lui aussi regretté de ne pas avoir fait davantage de victimes. Les quatre hommes ont en commun le goût de la provocation. Breivik m'a dit prendre un malin plaisir à tester certaines de ses connaissances avec ses idées limites. C'est en dérangeant qu'ils existent. En ayant été les plus malins, les plus puissants, en ayant trompé la police, en ayant mobilisé contre eux toute une nation, ils ont éprouvé une forme de jouissance absolue. Cela rend leur foi indestructible. Les univers qu'ils ont créés sont cohérents, complexes, puissamment pensés. Forcément vrais. Ce sont des manipulateurs fascinés par le pouvoir. Ils ont tendance à sacraliser des concepts simplistes et binaires comme l'ordre, l'honneur ou le génome nordique, dans le cas de Breivik. Ce dernier croit que tout est biologique et mathématique. Une détermination commode. Les VTB ont besoin de ces vérités intangibles. Ils sont adeptes d'une pensée absolue, sans nuance, qui les conduit souvent à approcher des groupes extrémistes. Breivik est une constellation de certitudes. Quand quelqu'un comme Fjordman parvient à mettre des mots sur cette pensée absolue, les gens comme Breivik éprouvent, à le lire, une jouissance proche de la clarté religieuse. Une vérité majuscule, unique et toute puissante, dont personne ne peut les faire douter. La première chose que m'a dit Breivik, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, moi seul sais. Il disait ça pour lui, mais cette phrase pourrait être la devise de n'importe quel VTB.